Toi là, oui, toi là, toi le petit fumeur des chichons de Abobo là, tu veux jouer avec la Coupe d'Afrique d'Alassane Ouattara? Tu veux jouer avec la Coupe d'Afrique d'Alassane Ouattara? Tu es malade dans ta tête. Je crois que tu es malade dans ta tête. Toi qui t'amuses à brûler les drapeaux, à montrer une image, tu t'amuses avec la Coupe d'Afrique 2023 d'Alassane Ouattara. Je crois que tu ne connais pas la route qui part à la Mecque. Je crois que toi là, tu veux qu'on te montre le chemin qui part jusqu'à la Mecque. Parce que je crois que parfois, quand vous vous levez le matin, vous mangez un peu d'attiéké, vous vous mettez un peu avec la sauce graine, avec tout ça, ça vous dérange un peu le cerveau. Toi, tu te lèves tranquillement. Tu ne sais pas que la Coupe d'Afrique, ce n'est pas seulement le football. Tu ne sais pas que la Coupe d'Afrique, c'est l'image d'un pays. Toi, Ivoirien, c'est seulement le Zouglou. Toi, tout ce que tu aimes, c'est zouglou, coupé, décalé. Toi, tu ne comprends rien. Tu te lèves avec tes problèmes et tu viens jouer avec la Coupe d'Afrique 2023 d'Alassane Ouattara. Mon petit, bois de l'eau. Bois de l'eau. Tu comprends, non? Bois de l'eau. Bois de l'eau. Parce que ce qui va t'arriver, tu vas même pas réfléchir. Tu vas même pas penser. C'est parce qu'en ce moment, Alassane doit être occupé à quelque chose d'autre. Je suis sûr qu'il a des dossiers qui sont plus importants. Mais je te dis que si tu aimes ton corps et ta vie, arrête de jouer avec la Coupe d'Afrique d'Alassane. Arrête de jouer avec la Coupe d'Afrique d'Alassane. Parce que si la CAF ou la FIFA, quelqu'un écrit un message à Alassane pour lui dire que, parce que toi, tu avais brûlé le drapeau des Camerounais, on pensait que ce ne sera pas très sécurisant de faire la CAN en Côte d'Ivoire. Ta mère, ton père, tes soeurs, tout le monde va aller à la Mecque. Donc moi, je suis ton frère, je te dis, arrête de fumer. Arrête de fumer. Redescends sur terre. Redescends sur terre. Trouve un travail. Trouve un travail. Jouer avec la Coupe d'Afrique d'Alassane Ouattara, ce n'est pas un bon travail. Ce n'est pas un travail sécurisant pour toi. Ce n'est pas un travail sécurisant pour toi, mon petit. Donc, franchement, mes frères, moi je vous dis, je connais, parce que j'ai senti dans mon corps. Je vous aime beaucoup, mes frères ivoiriens. Mais dites au petit là, qui est en train de jouer avec les jeux des grands. Il joue au Ndokchi. Ici au Cameroun, on appelle ça le Ndokchi. Il joue au Ndokchi avec sa vie. Dis-lui qu'il est en train de jouer au Ndokchi avec sa vie. Ça, c'est le conseil que je peux lui donner. Que non. S'il continue de jouer avec la Coupe d'Afrique, s'il continue de jouer à brûler les drapeaux, à sauter, à crier, à faire des choses comme ça, là, Ouattara va le punir. Et il aura mérité. Et il aura mérité. Donc, juste pour lui dire que pour ses intérêts personnels, qu'il a effacé lui-même toutes ces vidéos-là sur Internet. Moi, je vous dis, parce que si quelqu'un sait que le Maroc est placé à côté, en train d'essayer de prendre la CAN 2023, c'est le président Alassane Ouattara. Il le sait mieux que tout le monde. Donc, quand il va sanctionner le petit là, ce sera sévèrement. Hein? Ce sera sévèrement.
Donc, frère, quitte sur le dos des Camerounais. Trouve un travail. Trouve une go pour Mougou. Fais quelque chose, mais quitte sur les gros problèmes qui dépassent ta tête. Hein? Ça, c'est pour le tu là, c'est pour tout le monde qui se lève le matin et veut brosser ses dents. Parce qu'au lieu d'aller chercher le travail, ils sont là. Oh, ils ont trouvé un animal où ils vont passer leur frustration. Non, je vous promets, c'est pour votre bien que je vous dis ça. Ça ne dérange en rien les Camerounais. Je vous promets. Donc, mon petit, arrête vite tes bêtises. Hein? Arrête très, très vite tes bêtises. Sinon, crois-moi, c'est à la maca que tu vas aller brûler les drapeaux. Parce qu'apparemment, c'est un sport qui t'intéresse. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur, mes frères ivoiriens. Si vous saviez à quel point. Mais c'est un conseil de grand frère que vous donnez à tous ces petits frères qui sont en train de courir dans la rue et qui jouent avec la bombe entre les mains. On ne joue pas avec ça. OK.